Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une recette simple, fraîche, efficace, italienne, la bruschetta. Comme d'habitude, tu trouveras les ingrédients, il n'y en aura pas beaucoup cette fois-ci, dans la description. N'hésite pas à liker et partager cette vidéo et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite en cuisine, sur la planche à découper, pour attaquer notre recette. Voilà, pour notre recette, on aura besoin de tomates. J'ai pris des couleurs différentes pour faire un peu plus joli. De l'huile d'olive extra vierge, du pain de campagne, du basilic frais, deux gousses d'ail et un oignon. Pas trop grand, parce que ça sert à rien. L'avantage qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a tout préparé, ce qui va se rester, on pourra faire une petite, ça fera une salade de tomates super goûtue, super fraîche. On se retrouve tout de suite pour la suite et les découpes. Voilà, alors en premier, je vais prendre un plat. Je vais mettre mes tranches de pain dedans. Avec un pinceau, je vais prendre mon huile et je vais bien badigeonner une face de mon pain. Bien sûr, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Comme ceci, et ça part 8 minutes au four à 200. Voilà, alors on va prendre un bol, on garde, on va couper notre oignon tout fin. Dans le bol. Le deuxième bout. Le meilleur moyen pour ne pas pleurer, c'est d'avoir un couteau extrêmement bien aiguisé et vous pouvez vous tremper les mains sous l'eau froide également. Pour éviter de faire couler les yeux. La grosse gousse d'ail, on va la garder de côté. On va frotter notre pain avec. Là, je sépare la gousse d'ail en deux. Je coupe des lamelles. Et on va le tailler finement. Et on l'ajoute. Ensuite, on va passer aux tomates. On prend un couteau, on enlève le centre avec un petit couteau d'office pointu, bien aiguisé aussi. Ensuite, on coupe des lamelles à peu près 400 mm. On fait deux fois, on fait un tas, on refait des lamelles dans l'autre sens, un peu plus large. Après ça, vous faites à votre goût. On retourne encore un quart de tour et là on fait comme un tartare de tomates, la même chose. Et là il vous faut un couteau vraiment hyper aiguisé, autrement vous allez écraser la tomate. Et on met avec l'ail et l'oignon.
Voilà, une fois qu'on a la préparation qui est prête, on prend le basilic, on équeute. On fait une petite pile, comme ceci, on les roule, et là on va les hacher tout fin. On change de point de vue. Mais que on les met loin. On met quelques coups dans l'autre sens et on va mélanger à notre préparation. Dans la préparation, on va rajouter le reste de l'huile d'olive. Ça sert à rien d'en mettre trop, hein. Un peu d'huile d'olive. Un peu de sel, poivre du moulin, et là on prend une cuillère et délicatement on va mélanger notre préparation. Le temps que notre pain y grille et qu'il refroidisse légèrement, et on va mettre ça comme ceci, au frigo, à couvert. Notre préparation, elle est prête. On prend une gousse d'ail et on va la frotter sur le pain, généreusement. Et on la garde de côté pour faire autre chose. Ensuite, on ajoute un tout petit filet d'huile d'olive sur chaque tranche de pain. On va prendre une fourchette. Là, j'ai mis à égoutter ma préparation, hein. Vous voyez, il n'y a plus de jus. Et là, on va garnir généreusement notre pain. Il faut que ce soit gourmand quand même. Comme ceci. Et on rajoute dessus une petite feuille de basilic pour la déco. Et on est bon. Moi, à ce moment-là, je vais les mettre sur une assiette. Je vais faire quelques photos sur la planche, quelques photos sur l'assiette. Et voilà, notre recette est prête. Il n'y a plus qu'à vous régaler.